Maintenant, c'est avec fierté que l'on vous remercie pour votre présence chaque année de plus en plus nombreuse. Je remercie nos élus présents ce soir, Gilles, M. Kerk et M. Perrin, pour leur aide précieuse toute l'année. Merci aussi aux services municipaux de leur présence et aussi à Francis, notre partenaire sur cet événement, qui va nous régaler tout à l'heure de ses pompes et ses croquants. Merci à la chorale à Cantari et aux amis de Sainte-Victoire qui sont venus faire revivre ces chants de Noël, nos Noëls provençaux. Et à tous les amis venus contribuer à cette fête de la paix et de la joie de Noël. Noël en Provence, ces si belles traditions, notre crèche avec ses personnages chers à la vie de nos villages, ses petits métiers, ses personnages hauts en couleur, nous allons les faire revivre dans ces offrandes de Noël à la crèche. Avant de terminer, à la fin, on vient à la fin par le verre de l'amitié, de la convivialité. Et certains, Monsieur Gardiolia viendra nous chanter Minuit Chrétien. Et notre monsieur, que j'ai oublié le nom, Monsieur Nicolas. Viendra nous dire un petit poème aussi. On est là pour fêter Noël tous ensemble. Je laisse la parole à Monsieur Donatini. Merci, merci Présidente. Ben, mesdames, Messieurs, ben, je suis ravi encore d'être parmi vous ce soir. Par ce Noël à la chapelle. Je remercie mes collègues élus, M. Christian Kerk, notre député de la 11e, que je peux le féliciter parce qu'il nous aide beaucoup à mener à bien toutes ces associations et que le font les manifestations que l'on peut faire grâce à des subventions. Et notre adjoint naturel. Je remercie bien sûr Francis Desclercq, l'émis animation avec ses bénévoles ce soir aussi qui va nous régaler avec le vin chaud, le chocolat, les pompes et les croquants. Je remercie le père Michel qui est là, mon père. Vous avez vu, je vous ai dit que pour loin la chapelle, la porte de l'église serait peinte. Elle est peinte, c'est fait. Il ne manque plus que j'espère pour Noël, je vais me répéter, mais il manque la main. Je sais, il manque la main à la statue. On va faire le nécessaire pour 2016 que la main soit à disposition, soit mise en place sur la statue. Moi, je ne le connais pas trop, excusez-moi. Et je remercie aussi la dame qui vient toute chaque année, une dame, Fabienne, avec ses deux moutons et son âne. Merci beaucoup, Fabienne. Merci. Regardons la belle communion qui nous rassemble. Mais en même temps, cette communion qui nous rassemble, elle nous rassemble autour d'une tradition si belle en Provence, mais une tradition qui a une racine, une tradition qui remonte dans le temps et qui nous rassemble autour d'un bébé. Est-ce que vous connaissez son nom? Oui. Alors celui-là s'appelle, c'est un vrai, il s'appelle Victor. Mais Victor, au milieu de nous, il représente un autre tout petit enfant qui s'appelle Jésus. Est-ce que vous croyez en Jésus? Non. Est-ce que vous croyez vraiment en Jésus? Oui. Alors voyez le pape François que beaucoup de monde aime et avec raison pour sa simplicité et sa vérité de vie et de relation. Il a dit une parole que je me permets de vous redonner. Il a dit, à l'origine du fait d'être chrétien, qu'est-ce qui fait que je suis chrétien? Il y a ni des grandes idées. C'est pas ça d'abord, même s'il y en a aussi. Alors qu'est-ce qui reste? Et il continue en disant, il n'y a pas non plus des décisions morales, des choix de valeur. Pourtant, c'est bien ça aussi d'être chrétien. Mais ce n'est pas ça qui est au cœur. Alors, qu'est-ce qui reste? Si c'est ni d'abord une grande idée, ni d'abord un choix moral, de choix de valeur, qu'est-ce qui reste? Et il dit, alors, quand on dit l'amour, mais ça veut dire quoi? On le dit tellement, l'amour. J'aime le chocolat, j'aime les glaces, j'aime le sport, j'aime tellement de choses. Et alors il continue en disant, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas d'abord des grandes idées, ni même des valeurs, serait-ce celle de l'amour. Il y a une rencontre. La rencontre d'un événement, de quelqu'un qui change l'horizon de la vie et qui donne à notre vie une orientation décisive. Rencontrer, la rencontre de quelqu'un, c'est ça qui change la vie. Pour
nous inviter aussi à regarder où se trouve la vraie richesse, c'est dans les personnes. Si souvent on en parle avec les uns et les autres, hein, oui, on veut avoir un toit sur la tête, et bien sûr que c'est important de quoi manger, de quoi se vêtir, et de quoi être dans un certain confort, et de quoi préserver un certain style de vie. Mais n'oublions pas qu'au milieu de tout ça, la seule chose qui compte, c'est d'être avec ceux qu'on... Comme celui qui, dans sa personne même, apporte la paix, qui ouvre son cœur à Jésus, entre dans une paix. La paix du cœur qui, après, est appelée à passer dans les actes. Alors, c'est ce que je vais surtout demander au Seigneur en vous bénissant, que sa paix descende dans vos cœurs, dans nos cœurs inquiets, dans nos cœurs troublés, dans nos cœurs souffrants, dans nos cœurs quelquefois meurtris, dans nos cœurs un peu égarés qui ne savent pas trop où aller. Et bien que le Seigneur fasse descendre la paix de sa présence. Et je prends le micro. Maison, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chacune de vos familles, de vos maisons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénisse notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, bénisse notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bon Noël. Lilou, Lilou, viens. Jean-Luc. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'arc qu'il a pêché tous ses poissons. Jourdain et Marguerite nous portent le vin cuit pour le détresse dessert. Thank you.
Geneviève qui a fait paître ses moutons dans les collines de la Durale et des Milles nous porte le fruit du lait, des fromages peut-être. Lucille nous porte les langes pour le petit Jésus. Marie-France nous porte les fruits de son verger. Françoise va nous porter des calissons d'Aix. D'Aix, hein. Il n'y a pas tout le monde, hein. L'autre Françoise nous porte le fruit de sa couture. Ou des dentelles, non, excusez-moi. Des dentelles. La dentelière. Nous avons Léo, la ravie des Milles, qui vient donner son offrande au petit Jésus. Non, mais la ravie. Jacqueline vient porter. Vient rendre ses hommages au petit Jésus avec tout son cœur. Monsieur Gard, ah les fleurs, je crois qu'on a oublié. Viens ma grande, porte les fleurs. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Voilà notre jolie petite floriste. Alors Monsieur Gardiola va nous chanter le mini. Voilà, c'est Monsieur Gardiola, donc des Milles. Il habite aux Milles, hein. Donc c'est avec plaisir que nous le. Minuit chrétien. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux. Le Rédempteur, Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé tout entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert.
Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple de nous, chante la délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Merci mes amis, oui, Milois, fier de l'être, comme on dit. Voilà, je vais vous dire un petit poème déjà, l'accent de Miguel Zamacoïs. De l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Si je vous disais, gens du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir très fort. Nous nous disons de vous, du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde. Et que, tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent, pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème et je suis las de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa lande ou sa montagne. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros, elle s'enfuit. L'accent, c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent invisible, bagage. Le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour le malheureux à l'exil obligé, le patois qui déteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent, enfin, c'est chaque fois qu'on cause, parler de son pays en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Je veux qu'il soit sonore, clair, retentissant, et m'en aller tout droit, l'humeur toujours pareille, en portant mon accent sur le coin de l'oreille. Mon accent, il faudrait l'écouter à genoux. Il nous fait emporter la Provence avec nous et fait chanter sa voix dans tous nos bavardages, comme chante la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor. Du touri de midi, dans les brumes du nord, il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers au vieux tronc rabougri et le petit village des milles où la treille splendide éclabousse de bleu la blancheur des bastides. Cet accent-là, mistral, cigales et tambourins, à toutes mes chansons, donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la farandole. Voilà. Merci. Merci. Une petite mazurka, c'est vite fait. Galanti chatuno, moro juven, la rose putuno, mensino cumbe. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la curie, qu'en dans son modeste, et bien préfouli. Et est-ce que le rosa verso, festo ma descani, la mazurka gento danse, la fure su tole mi. Et est-ce que le rosa verso, festo ma descani, la mazurka gento danse, la fure su tole mi. Merci. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont organisé ce rassemblement.
en particulier au groupe, au comité des fêtes, aux chanteurs, à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, un grand merci à tout le monde et fêtez Noël comme ça, ça fait chaud au cœur. Nous allons finir, pas finir parce qu'il y a d'autres choses après, mais on va chanter la coupe au centre. Et après, donc, il y aura le vin cuit, le chocolat chaud, les pompes et les croquants qui vont nous régaler. Eh bien, un grand merci et un bon Noël à tout le monde, un bon Noël provençal. Non, mais ce soir, on les a Je vais choisir un jeune.